Merci. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes. Merci, nous sommes tous rassemblés autour de ton nom, de ton sang. Nous voulons te dire merci, te bénir et te célébrer pour tous tes bienfaits. Merci toi qui étais
tout au long de cette journée, pour ceux qui sont dans la nuit, en cette saison, en cette période, tu as été avec nous. Toutes les sorties, toutes les entrées, merci pour la protection. Nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons ces moments. Prends contrôle, Seigneur, et agis. Conduis, enseigne, touche, transforme, délivre. Tu as paru pour libérer les captifs, Seigneur. Nous te prions en cette soirée. Que tout ce qui est encore sous des réclamations, sous des jougs, sous des chaînes, et en placer leur confiance en toi, Seigneur, en cette soirée, que ces chaînes soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang parle, que ton sang parle, que l'œuvre que tu as accomplie à la croix parle en la faveur des élus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, dirige-nous, prends contrôle de tout. Et que seul ton nom soit glorifié, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur visite les vies, les maisons encore en cette soirée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous prions contre toute forme de somnolence au nom de Jésus-Christ. Tout agenda des ténèbres, tout esprit envoyé pour te paralyser en chemin, nous le stoppons au nom de Jésus. Tout pouvoir qui active les malheurs, les problèmes, pour que tu n'ailles pas au bout de ces programmes, au nom de Jésus, ces forces sont liées, ces forces sont paralysées dans le nom de Jésus-Christ. Toute puissance derrière les maladies, à peine tu as commencé les programmes, les maladies se sont déclenchées dans les corps. Tu ne te comprends plus, tu ne comprends plus ton corps. Tu es comme si tu vis tous les problèmes, comme quelqu'un disait aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, que ce qui était bloqué soit débloqué. Que ce qui était bloqué soit débloqué. Que l'ennemi, ce que l'ennemi utilisait pour oppresser ta vie, pour dire je vais voir, je vais te troubler, je vais t'attaquer. Nous disons toutes les zones et toutes les sources que l'ennemi utilise pour t'oppresser, pour t'attaquer, que ces sources ça sèche au nom de Jésus, qu'elles sèchent, que ce qu'il a bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Nous appelons la faveur divine, la faveur divine, la faveur divine, la pluie de bénédiction dans les vies, dans les maisons au nom de Jésus. Nous appelons la force, la santé au nom de Jésus Christ. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, mais l'oppresseur de ton âme lâche au nom de Jésus. Celui qui t'a longtemps oppressé, qui t'a longtemps gardé dans la servitude, il lâche au nom de Jésus. Celui qui a longtemps tenu la famille dans la servitude, il lâche au nom de Jésus. 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 J'ai dit tous les moyens d'oppression et de pression que l'ennemi utilise au cours de cette saison pour dire qu'il va renforcer les chaînes afin de t'amener à te décourager, afin de t'amener à murmurer, que par le sang de Jésus, c'est moyens et ses forces lâches, ses moyens et ses forces lâches, ses moyens et ses forces lâches, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu vous inonde. Amen, amen. Est-ce que vous vous rappelez de cette exhortation qu'on avait donnée sur la série de « Oh Dieu, tout ça va finir quand ? Résiste ». Il y avait une exhortation qu'on avait donnée sur les paroles de nos bouches, la puissance de la parole, en temps de décrets où l'ennemi voudrait t'amener à confesser, à parler son langage. Oh, tu appartiens désormais au royaume de Dieu. Parle le langage de Dieu, parle la parole de Dieu, même si tu passes par quoi, ne te tais pas. Même si tu passes par quoi, ne professe pas ce que l'ennemi veut que tu professes. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors, quel que soit ce par quoi tu passes aujourd'hui, résiste. Alléluia. Dis-lui par les blessures de Jésus, j'ai été guéri. Il y a des corps qui sont secoués depuis ces temps-ci. Ceux qui ont mal au corps, ceux qui ont déclenché tout genre de maladies, des maladies bizarres, tu n'avais pas ça, maintenant c'est déjà là. L'œuvre du serpent là s'arrête. Ce typhoïde, ce paludisme, l'œuvre du serpent là s'arrête. Donc les corps font mal, comme si on a lié, attaché. Les chaînes là sont brisées. Tout ce qui s'est réveillé au cours de cette saison, c'est pour mourir. Et
tout ce qui était caché est exposé et meurt. Les coques et les résistances sont brisées. Où que ce soit caché, ça ne reviendra pas pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme ils ont fini, je vais revenir. Par le sang de Jésus, tout ce qui est sorti, les anges abattent et détruisent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Si en cette saison, la chose là sort souvent, pas se cacher. Attends quand on a fini la prière pour revenir. Elle n'ancre plus au nom de Jésus. Elle n'ancre plus au nom de Jésus. Ton amen d'or. Elle n'ancre plus au nom de Jésus. Elle n'ancre plus au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Nous disons encore en cette soirée. Quelles sont les conséquences, quelques conséquences des mariages spirituels, quelques conséquences des femmes spirituelles et des maris spirituels dans les vies des uns des autres. Lorsqu'on avait examiné, bien-aimé, comment reconnaître que tu es dans un mariage spirituel, on avait énuméré certains aspects et en cette soirée, nous allons encore présenter certains et nous allons prier. Faites-nous parvenir vos témoignages, nous bénissons le Seigneur pour tout. Et comme on disait, nous attendons que Papa Zoan nous donne le jour où on va souvent recevoir les gens en ligne. Amen, amen. Et on vous communiquera ce jour. Vous pourrez souvent appeler pour que, au cours de cette saison, ces choses doivent être éradiquées. Assez, c'est assez. Va jusqu'au bout. Il y a beaucoup de problèmes par lesquels les gens passent parce qu'ils ont... Comment on peut dire, des demi-délivrances, c'est-à-dire ça commence et tu t'arrêtes. Après, les choses se renforcent encore. Après, quand tu vas reprendre, le travail sera double encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons jusqu'au bout. Et le sang de Jésus est là pour purifier. Et le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Alléluia. Envoyez vos témoignages, tous vos témoignages. Envoyez-les inbox. Et discrètement ou même publiquement, vous pouvez envoyer, si vous voulez, dans le forum quand c'est ouvert. Nous évitons de laisser le forum WhatsApp surtout ouvert à tout moment à cause des publications désordonnées. Beaucoup ont déjà des téléphones pleins. Si on commence encore à publier n'importe quoi, c'est une plateforme qu'on a recréée au cours de cette saison pour ces programmes et des programmes à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Également, une annonce, vendredi. Vendredi, déjà tous les vendredis, par la grâce de Dieu, sauf exception, on aura souvent prière de 23 heures à plus de minuit. Pas minuit, mais plus de minuit. Et ce vendredi-ci, Papa Zoa a demandé que tu achètes une bouteille d'huile d'onction, d'huile d'olive. Amen, amen. Il va prier sur cette huile et tu pourras l'utiliser. Également, le même vendredi, apprête les éléments pour la Sainte Cène. Alléluia. C'est-à-dire du raisin et du pain. Et de l'eau également à côté de toi. Une bouteille, une palette, il priera sur tous ces éléments. Amen, amen. Connecte-toi. Et également, le même vendredi, nous sommes dans le jeûne. Tous ceux qui peuvent être dans le jeûne toute la journée jusqu'à ce qu'on ait cassé le programme, fini avec la prière après minuit. Donc, tu ne mangeras pas ce jour-là à 18h ou à 14h selon que tu aies pris, mais tu vas manger après la prière de vendredi à minuit. Donc, nous serons déjà samedi au petit matin. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est là? Retiens bien ce programme et rappelle-le à quelqu'un que vendredi, nous sommes dans le jeûne à partir de 6h pour tous ceux qui peuvent jeûner, qui ne sont pas sous médication. Alléluia! Ou bien qu'ils sont à plus de, qui peuvent jeûner, qui sont à moins de 60 ans. Même si tu as plus de 60 ans, si tu sens que tu peux le faire, fais-le. À partir de 6 heures jusqu'à ce qu'on ait fini la prière après minuit. Et ta bouteille d'huile d'olive, et de l'eau, et également la chair, le pain et le raisin. Alléluia. Nous prierons que le Seigneur te bénisse. Alors, nous disons les conséquences des mariages spirituels, les conséquences des femmes spirituelles et des maris spirituels. Je voudrais que pendant qu'on est en train de partager ceci, tu aies ton doigt sur le nombril. Le doigt sur le nombril. Amen, amen. Le doigt sur le nombril. Ou bien sur le doigt qui porte l'alliance. Lorsque nous parlons du doigt sur le nombril,
nous sommes en train de briser des liens de cordon ombilical mystique. Amen, amen. Les liens ancestraux, familiers, les choses qui se transmettent de génération en génération. Donc nous disons, le mari spirituel, la femme spirituelle, les enfants spirituels, mystiques, sont souvent jaloux, alléluia, des époux, des conjoints physiques et des enfants physiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont tellement jaloux qu'ils ne veulent pas que tu te maries. Donc, ils sont derrière les célibats chroniques. Amen, amen. Non seulement derrière ces célibats chroniques, mais également lorsque même tu as réussi à te marier, ils vont tout faire pour casser ça. D'où les veuvages prématurés. Est-ce que quelqu'un me suit? Les veuvages prématurés. Ou bien un mariage désastreux, un mariage qui peut te conduire en enfer. Au point où tu commences à regretter pourquoi tu t'es marié. Quand tu étais jeune fille, c'était mieux, ou jeune homme. Quand tu étais célibataire, c'était mieux que d'être marié. Ils rendaient les couples invivables. Ces choses-là, vous étiez bien avant. Dès que vous décidez de vous marier, ça se dresse et ça attaque tout. Ça détruit tout. Et tu te demandes ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un est là? Ils encouragent le célibat. Ils encouragent le concubinage. Ils encouragent le péché. Ces forces-là s'élèvent. Ces maris spirituels, femmes spirituelles sont des forces. Je me rappelle de ce frère qui avait déjà vécu plus de 3, 4, 5 ans, 6, 7, 8 ans avec sa femme aujourd'hui. Ils vivaient ensemble dans le concubinage. Bien aimé, le jour où ils ont décidé de se marier, tous les problèmes ont commencé. Problèmes financiers, incompréhension. Est-ce que quelqu'un me suit? Problème. Le jour du mariage, la veille, le frère en question a dit à la femme, c'est fini, je ne me marie plus. L'insulter copieusement devant la belle famille. Est-ce que quelqu'un est là? C'était grave. C'était des supplications. C'était des temps de prière. Jusqu'à Papa Zouama dit ça là. Ça n'a rien à voir avec des choses que vous pouvez expliquer. Il faut prier. Amen. Et les prières se sont élevées. Le gars était totalement transformé en quelques moins d'une heure. On ne le reconnaissait plus. C'était quelqu'un qui était calme encore et qui était très amoureux encore de sa femme et qui s'est marié. Donc, dès que vous vous mariez, je dis les problèmes commencent. Dès que vous dites seulement on va se marier, les gars préféraient que vous restez dans le célibat, dans ce célibat chronique. Ils sont contents et tout. Dès que vous dites que vous allez vous marier, les multiples problèmes commencent. Les incompréhensions, les querelles, la pauvreté. D'autres perdent même le travail dès qu'ils se marient. D'autres deviennent tellement pauvres seulement dès qu'ils prononcent qu'on va se marier. Les maris spirituels, les femmes spirituelles, les enfants spirituels mystiques se comportent comme les maris physiques ou femmes physiques jaloux dans la jalousie. Et leur jalousie tue. Ils vont jusqu'à tuer. Ils sont derrière les veuvages prématurés, derrière les divorces, les querelles, la misère dans le couple. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen, amen. Donc, il va, le mari spirituel ou la femme spirituelle, ou même les enfants mystiques, ils vont attaquer, amen, le conjoint, parce qu'ils considèrent le conjoint comme qui? Comme un rival. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont l'attaquer. Ils vont l'oppresser. Alléluia. Vous voyez donc des mariages brisés. Ils sont derrière la stérilité dans les foyers. Amen. Derrière le rejet du conjoint. Tu aimais ta femme, tu aimais ton mari, mais tu ne comprends pas ce qui se passe depuis un temps. Tu sens le rejet. Il t'énerve. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Moi, je vais te dire quelque chose. Je dis, tu vas être délivré. La force là ne va pas te lâcher. Bien aimé, j'ai vécu des situations, moi qui vous parle,
où c'était bien quand le père, papa Zoa, était loin. Mais dès qu'on se retrouvait dans la même maison, bien-aimé, les problèmes, qu'il ait dit bien, qu'il ait dit mal, c'est comme si une force se levait en moi. Je parle à quelqu'un, je parle à un homme, je parle à une femme, et tu te reconnais depuis l'endroit où tu te trouves. C'est comme si une force se levait en moi. Je préférais quand il est loin. Mais quand il était proche, ce n'était pas ça. Douleur dans le bas-ventre, tu ne comprends rien. Comme une autre dame avait fait ce témoignage où elle disait que elle, quand elle se retrouvait avec son mari dans l'intimité, c'était le dégoût total. Mais dans les rêves, elle est à l'aise. Est-ce que tu as vu ça? Je prie dans le nom de Jésus que quoi que ce soit qui attaque ton intimité avec ton conjoint, par le sang de Jésus, que cette chose meure, que ce mari tombe et meure, que cette femme mystique tombe et meure, que ces enfants spirituels mystiques tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir derrière la violence, derrière la colère envers ton mari, envers ta femme physique que Dieu t'a donnée, par le sang de Jésus, nous lions ce mari spirituel, nous lions cette femme spirituelle. Nous lions ces enfants mystiques qui t'excitent, qui t'oppressent au nom de Jésus et nous les chassons par le sang de Jésus. Satan, libère ce mariage, libère ces conjoints au nom de Jésus, libère-les, libère-les, libère-les au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un était tellement efficace avant le mariage, mais dès qu'il se marie, il devient inefficace. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? La grâce de Dieu te visite. J'ai dit tout pouvoir maléfique, tout esprit des maris de nuit, des femmes de nuit, derrière les troubles par lesquels tu passes dans ton foyer, derrière ce célibat chronique, derrière la perte du travail, derrière les situations par lesquelles tu passes au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette force la lâche, que cette force la lâche, que ce mari spirituel, cette femme spirituelle soit liée. Dis avec moi, soit liée. Sois lié, sois lié. Je te lis et je te chasse de ma vie de couple. Je te chasse au nom de Jésus. Lâche mon travail, lâche ma santé, lâche ma mari, lâche mes enfants, lâche ma femme si c'est ton cas. Je te chasse, je te chasse, je te chasse. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Allez, commandez qui te lâche. Allez, commandez qui te lâche. Ce mari spirituel, cette femme spirituelle, commandez qui te lâche au nom de Jésus-Christ Nazareth, pour les abîmes sans retour. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc tu vois, au jour d'aujourd'hui, les gens vivent des oppressions dans les foyers, tu ne comprends pas. D'autres deviennent bizarres, juste parce qu'il a osé se marier. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un mari spirituel, une femme spirituelle, une loi, un démon qui avait dit pas de mariage et qui attaque tout. Que je vais te montrer, tu as osé te marier, on va te traiter. J'ai dit, quoi que ce soit, qui que ce soit, ce mari esprit, cette femme spirituelle, le doigt sur le nombril, qui a dit que tu as osé te marier, on va te détruire, on va te montrer que cette force meurt au nom de Jésus. Bien-aimé, mets les doigts sur le nombril. Mets le doigt sur le nombril. Si tu sens depuis l'angoir, tu te couvres que tu veux dormir, mets-toi debout. Mets-toi debout, marche, écoute l'enseignement. Ce n'est pas le temps de dormir. Bien-aimé, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Alléluia. Oui, sois fort. Dieu est ta force depuis l'endroit où tu te trouves. Il est ta force, il est ta force. Amen, amen. Donc, le mari spirituel, la femme spirituelle, va oppresser quiconque veut t'épouser. Tu es là. Il va l'oppresser. Je me rappelle de cette famille. Alléluia. Dans cette famille, dès que tu te mariais avec une des filles de cette famille, bien-aimé, est-ce que tu sais ce qui se passait? Tu devenais pauvre et elle, les filles, la fille que tu as épousée, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle qui ne travaillait pas, trouvait du travail et devient chef dans la maison. Et toi, tu commences à laver les assiettes, toi qui es l'homme. Je vous dis, c'est vrai. Amen, amen. Pas une fille, pas deux. Pas trois, quatre, cinq, même père, même mère, différentes villes et nations. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès qu'elle se marie, quand l'homme vient l'épouser, l'homme est d'une richesse enviable. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et dès que l'homme l'épouse, elle, quand l'homme vient l'épouser, elle est très riche. Hein. Mais elle, elle est soit une simple ménagère, soit elle ne travaille même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dès que l'homme l'épouse, 1 an, 2 ans, 3 ans, les affaires commencent à baisser. Les affaires commencent à mourir. Les affaires commencent à mourir. Et elle, elle commence maintenant à s'élever, à faire des affaires. Elle trouve du travail. Tu trouves comme ça, l'une des sœurs est comme ça, l'autre qui suit, l'autre ainsi de suite. J'ai dit 5, la même famille. Et les maris qui ont épousé les 5, un est déjà mort, mais les 4 autres sont va-nu-pied. Mais c'est elles maintenant qui sont les dominatrices dans les foyers. Quoi que ce soit qui oppresse ton conjoint, quoi que ce soit qui oppresse ton conjoint, qui attaque tout ce qu'il entreprend, qui attaque tout ce qu'il entreprend, qui a décidé de le réduire à néant parce qu'on a osé t'épouser, bien tu as osé épouser cette femme. Par le sang de Jésus, cette puissance meurt. Ce mari esprit meurt. Ce mari esprit meurt. Nous brisons ce mariage. Nous brisons cette alliance satanique. Il lâche ton mari. Il lâche ta femme. Par le sang de Jésus-Christ, il lâche tes enfants. Est-ce que quelqu'un est là? Il lâche dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Les conséquences des maris spirituels et des femmes spirituelles et même des enfants spirituels mystiques. Amen, amen. Ces puissances sont derrière les maladies. Amen. Les maladies. Quelqu'un commence à développer un cycle de maladies depuis qu'elle s'est mariée. Depuis qu'il s'est marié, tu ne comprends pas ce qui se passe. Des maladies, des kystes. Des myomes, la stérilité, les douleurs, les impuissances, jusqu'à conduire à la mort. Est-ce que quelqu'un est là? Des maladies, un cycle de maladies que tu ne comprends pas. Tu sors de maladie en maladie, c'est comme si tu es en train de payer une dette quelque part. C'est comme si tu as péché de t'être marié, juste parce que la force l'a dit que j'ai juré que tu n'auras pas de paix. J'ai juré que ça va se casser. J'ai juré que vous n'aurez rien. J'ai juré qu'on ne me quitte jamais. Quoi que ce soit, le doigt est sur le nombril. Qui a juré que tu ne dois pas les quitter, que ce mari spirituel meurt par le sang de Jésus, qu'il meurt par le nom de Jésus. Dis avec moi, qui que ce soit, quoi que ce soit, mari spirituel, femme spirituelle, qui a juré que je ne dois pas te quitter et que tu vas me montrer, tu attaques tout, tu tues tout, tu attaques mon conjoint, les autres qui ne sont pas encore mariés, tu attaques mes prétendants, tu attaques mon travail, tu attaques mes enfants, par le sang de Jésus, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, toute influence des maris spirituels, toute influence des femmes spirituelles dans mon mariage, dans mes relations, dans ma santé, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute maladie tape au niveau de ton estomac. Tape tout doucement au niveau de ton estomac. Toute maladie déposée dans mon système par les maris spirituels, par les femmes spirituelles, sort au nom de Jésus. Quand je dis sort, laisse-moi la bouche ouverte, tu fais ha, ces choses-là sortent. Amen. Tu rejettes les salives, tout ce que tu rejettes, laisse que ça sorte, les gaz, les bâillements, c'est ça qui est en train de sortir. Quand c'était en que tu n'avais pas vu ça, la chose qui a été introduite en toi là, pour te tuer, le dépôt maléfique des maris spirituels, des femmes spirituelles, allez, ça sort, allez, tous et vomis, allez, ça sort, allez, tous et vomis ça, tous et vomis ça, les eaux de la sirène, les eaux sales, les eaux du serpent, allez, ça sort, tous et vomis, tous et vomis. Quand je dis ça sort, tous et vomis, tous et vomis, ah, tu tousses et tu vomis, ah, je dis rien ne résiste. Tout ce qui a été déposé dans ton corps, mon frère, ma soeur, pour te décuire, pour t'oppresser en tes enfants, par le sang de Jésus, allez, ça sort. Mets le doigt sur le nombril quand tu fais ce geste-là.
à les s'asseoir au nom de Jésus, de génération en génération. Je dis s'asseoir, les kystes éclatent, les kystes éclatent, les kystes éclatent, les myomes éclatent, les myomes éclatent. La chose qui marchait dans le ventre, au nom de Jésus, s'asseoir. Quand je dis s'asseoir, tu tousses et tu vomis. Je dis s'asseoir, je dis s'asseoir. Ce cycle de maladie dans ta maison, ça s'arrête. Ce cycle de maladie sur tes enfants, ça s'arrête. Ce cycle de maladie sur ton conjoint, ça s'arrête. Esprit de mort, libéré sur mon frère, ma soeur, par les maris et les femmes spirituelles. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Toi qui as lié sa tête, lié sa pensée, je m'attaque à toi en cette nuit par le sang de Jésus. Sa foi unie à ma foi. J'attaque les maris spirituels. J'attaque les femmes spirituelles qui attaquent les enfants, qui attaquent leur cerveau, qui attaquent leur santé, qui attaquent cet homme, cette femme, qui attaquent les finances, qui attaquent le mariage, qui sont derrière les querelles dans le foyer. Allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez par le sang de Jésus. Cette ombre satanique te quitte. J'ai dit cette chose sort. Les choses sortent des corps, sortez, 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 ça sort des corps, sortez, sortez, ça sort des maisons, ça sort, ça sort, ça sort. Il est venu habiter ton lit, il est venu habiter dans ton corps, habiter avec toi, disant vous êtes un. Allez, sortez, esprit de mort, esprit de famille, au nom de Jésus, mari spirituel, femme spirituelle, allez-vous-en, 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 portez vos bagages, portez vos maladies, portez vos marmites, vos actes de mariage, portez vos robes, vos alliances, allez-vous-en, allez-vous-en, ribaché, krakacha, krabakaché, krekeche, ribakacha, krabakacha, où que tu sois caché, quelle que soit la porte d'entrée par laquelle tu es ancré, que ce soit les scarifications, que ce soit le sexe, que ce soit l'hérédité, par le sang de Jésus, porte tes bagages, porte tes bagages. C'est ta fin ce soir, mari spirituel, femme spirituelle, toi derrière les repas de nuit, les couches de nuit, toi derrière les attaques dans la santé, le travail, toi derrière les querelles, les divisions, les dégoûts dans ce foyer, toi qui es derrière la violence dans le corps de mon frère, ma soeur, tu es derrière la violence, tu es derrière la violence. Quand on prie comme ça, tu commences à lui dire tais-toi, ne fais plus ce genre de prière. J'ai dit tout ce qui s'agit dans ton corps, je lis ce diable, je lis ce diable, je lis ce diable. Allez, Satan, sors au nom de Jésus. Cette chose qui bavarde dans ton ventre, qui bavarde dans tes oreilles, qui bouge partout dans ton corps, je ne parle pas de bouger. Allez, je dis sors. Je dis sors par le sang de Jésus. Sors. Toi, la chose de la famille qui dit que tu épousais toutes les filles, tu épousais tous les hommes, tu tues les hommes, tu tues les femmes, tu es derrière la stérilité, tu attaques tout, porte tes bagages et sors. Je dis porte tes bagages au nom de Jésus. L'ordre est donné. Le nom devant qui tout genou fléchit, c'est Jésus de Nazareth. C'est au nom de Jésus que je viens contre les forteresses, que je viens contre les esprits méchants, que je viens contre les maris spirituels, les femmes spirituelles, les enfants mystiques sataniques. Je commande porter vos bagages. Allez, libérez, 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 libérez. Les mouvements étranges dans le corps, les mouvements étranges dans le corps, que la source de ces mouvements maintenant soit paralysée et sorte, et sorte, et sorte. Ange l'éternel, abattez, saccagez le feu du Saint-Esprit de la tête à la plante des pieds, dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Allez, ça bouge dans la colonne vertébrale, les agitations, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, pas de paix pour toi, de la tête à la plante des pieds. Ribakacha, kabakache, krekeche, monsieur. Irakacha, kabakache, krekeche, krekeche. Rebakabache, krekeche. Ibakabacha, krakacha. Cette double personnalité qui vient avec la violence, au nom de Jésus, avec les insultes. Quand tu commences à insulter cet homme, quand tu commences à insulter cette femme, la violence, tu tapes sur une femme, tu veux la tuer, alors que tu regrettes après. J'ai dit, ce diable qui te possède, ce mari spirituel, cette femme spirituelle qui a dit nous tous on va perdre. Je te lis Satan, je te lis Satan et je te chasse de ce corps, je te chasse de ce mariage. La violence quitte cet homme, la violence quitte, le couteau est enlevé de ses mains, la prison quitte par le sang de Jésus. Elle ne tuera pas un homme, il ne tuera pas sa femme, par le sang de Jésus. Toi derrière les divisions, toi derrière les querelles, par le sang de Jésus, toi qui as paralysé cet homme, paralysé cette femme, paralysé ses activités parce qu'il a osé se marier, parce qu'elle a osé se marier. Qu'est-ce que tu attends? Porte tes bagages et sors. Porte tes bagages et sors.
Allez, porte, 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 porte. Va-t'en au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, en cette soirée, que le feu descende dans les maisons, que le feu descende dans les corps, que le feu descende dans les maisons, que le feu descende dans les corps. Brisez les alliances, brisez les mariages, détruis les maris et les femmes esprits mystiques, détruis les enfants mystiques sataniques, les consumer par le feu, les consumer par le feu. Ces mouvements étranges dans ton corps, au nom de Jésus, ces choses qui attaquent les rêves, effacent les rêves par le sang de Jésus. Marie spirituelle, femme esprit mystique, au présent, mon frère, ma soeur, en cette nuit, par le feu, tu sors, 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 par le feu, tu sors. Allez, libère ce lit conjugal, libère, 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 libère. Tu es derrière les problèmes, tous les problèmes de santé. J'ai dit, porte tes maladies, porte tes bagages, va-t'en, va-t'en. Tu as juré qu'ils ne vont rien faire de leur argent parce qu'ils ont osé se marier. Tu es derrière les maladies, tu es derrière les maladies constantes des enfants, tu es derrière les maladies de cette femme, de cet homme. Tu l'étouffes quand il dort, tu la jettes quand il dort. J'ai dit, esprit de je ne sais qui, Marie spirituelle, femme esprit, lâche cet homme, lâche cet homme. Allez, lâche-le, lâche-le, lâche son cœur, lâche, libère. Par le sang de Jésus-Christ, tu n'as pas de place et tu n'as pas de choix. Tu ne peux que partir. Dans le nom de Jésus, je dis, tu ne peux que partir avec tout ce que tu as libéré dans ce corps. Je dis, tu t'en vas, c'est ta fin. Et tu n'emportes pas. Le doigt est sur le nombril. Je dis, je sépare ton âme de l'âme de cet homme. Je sépare ton âme de l'âme de cette femme. Je te sépare, Marie spirituelle. Je te sépare de son âme. Pointe ton nombril. Je dis, je te sépare de l'âme de ce mari spirituel. Je te sépare de la femme de, ce, de l'âme de cette femme spirituelle. Ce mariage est brisé. Ce mariage est brisé. Ce mariage est brisé. Que le mari spirituel qui combat ta femme, la femme spirituelle qui combat ton mari, au nom de Jésus, que ces choses-là vous lâchent au nom de Jésus. Amen. Les querelles quittent une maison, les incompréhensions quittent les maisons, l'amour redescend, le rejet quitte, la pauvreté, la misère, tout ce que tu as attaqué, lié en cette nuit par le feu, lâche, lâchez. Lâchez les affaires, lâchez les opportunités, lâchez les maladies que tu as libérées sur le corps, les boutons partout dans le visage, au nom de Jésus, les choses qu'on ne comprend pas dans le corps pour créer le rejet, le faux poids de régime en régime, tu ne manges même pas, tu ne sais pas d'où ça vient. Par le sang de Jésus, les eaux là, ça sèche dans ton corps. J'ai dit, les eaux de la sienne là, ça sèche, ça sèche, ça sèche, ça sèche. L'oppression de la femme esprit, l'oppression du mari esprit dans ton sommeil, où il t'étrangle par le sang de Jésus, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Qui étrangle tes enfants? Qui dit que tu n'as pas de place ici? Que c'est sa maison? C'est lui qui sort. Dis avec moi, c'est toi qui sors. C'est ma maison. C'est ma maison. La femme mariée dit, c'est mon mari. C'est mon mari. L'homme marié dit, c'est ma femme. Mais toi, le mari spirituel, sors. Est-ce que quelqu'un suit ça? La femme mariée dit, celui-ci prononce ton nom, le nom de ton mari. Zouambarga Jean Colin est mon mari. La femme mariée prononce le nom de son mari. Le mari prononce le nom de sa femme. Dis avec moi maintenant, toi l'inclus. Toi le mari spirituel, sors. C'est toi qui libères mon mari. C'est toi qui libères mon mariage. Va-t'en par le sang de Jésus. Va-t'en, dit mon mari, ne meurt pas. Et la, le mari dit, ma femme ne meurt pas. Mon mari ne meurt pas. J'ai dit, mon mari ne meurt pas. J'ai dit, mon mari ne meurt pas. Mon mari, Zouambarga Jean Colin, ne meurt pas. Prononce le nom de ton mari. Prononce le nom de ta femme. Prononce, tu es marié, prononce le nom de ton mari. Prononce, prononce. Prononce le nom de ta fiancée, de ton fiancé, ou même de quelqu'un qui est en train de cogner à la porte. Toi qui as longtemps chassé les conjoints, tu es une jeune femme et quelqu'un en train de vouloir demander seulement que je veux t'épouser. Prononce son nom. Que toi, les gens qu'on a souvent chassés, toi, Jacob ou je ne sais qui, tu ne pars, tu ne meurs pas. Et tu ne fuiras pas comme les autres ont souvent fui. Est-ce que quelqu'un est là? Peut-être que le prétendant, je veux que tu suives bien ce point de vue. Peut-être que la personne qui te convoite maintenant, ma soeur, s'appelle Israël. Alléluia. Tu, pendant qu'on fait ce point de vue, ne t'étais pas. Dis-toi, Israël, tu ne meurs pas.
Toi, Israël, tu ne fuis pas comme les autres ont souvent fui et comme les autres ont souvent été tués. La femme mariée prononce le nom de son mari physique et dit, toi, prophète soit Jean Colin, tu ne meurs pas. Le mari prononce le nom de sa femme. Prononce le nom de ta femme. Marie, prononce le nom de ta femme et dis, ma femme telle, tu ne meurs pas. Prophète Zoa, Jean Colin, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. C'est toi le mari spirituel. C'est toi la femme spirituelle qui a souvent troublé ma paix, troublé ma santé, troublé mes enfants. Sors au nom de Jésus. Libère mon lit. Libère les finances. Libère la santé. Allez, prie, secoue la tête, le corps. Commandez qu'il sorte. Au nom de Jésus, libère. Tiens-toi sur tes pieds. Libère. Sors. Marie spirituelle, femme spirituelle, enfant mystique. Sortez par le feu. Rakachaka. Allez, secoue. Sortez. Allez-vous-en. Je vous chasse par le sang de Jésus. Libérez mon mariage. Libérez mon mari. Libérez mes affaires. Libérez mes enfants. Libérez ma santé. Quelle que soit l'alliance, quel que soit le pacte, par le sang de Jésus, ce pacte est brisé. Cette alliance est brisée. Elle est brisée. Ce mariage est brisé. Le mariage mystique là est brisé. Le mariage démoniaque là est brisé. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Esprit ancestraux, sortez. Tu épousais mon père, tu épousais ma mère, tu épousais mes homonymes, tu épousais tout le monde à la famille. Je ne suis pas ton candidat. Par le sang de Jésus, je porte le divorce maintenant. Sors. Je jette tes bagages dehors. Je déchire l'alliance. J'enlève tout ce qui t'appartient. Sors de mon lit. Sors de ma maison. Sors de mon corps. Je te vomis. Ah, sors. Au nom de Jésus-Christ. Il s'en va. L'ordre a été donné, le doigt sur le nombril. Je dis, ils s'en vont au nom de Jésus avec leur bagage, leur maladie, avec leur pauvreté, avec leur misère. Allez-vous-en. Même si vous dites que vous êtes dans cette génération depuis, dans cette famille depuis des générations, Jésus-Christ est là avant vous. Jésus-Christ est là avant vous. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, cette famille a été rachetée. Cet enfant a été racheté. Cet homme a été racheté. Satan, tu n'as ni pain ni l'eau. Porte tes bagages, va dans l'esprit de l'enfer, au nom de Jésus qui se ne revient plus. Porte tes maladies, tes bagages, libère. C'est un nouvel homme, une nouvelle femme, des nouveaux enfants. La paix dans son travail, la force dans ses veines. Toi qui aspirais cet homme à petit feu, tu aspirais cette femme à petit feu. Les maladies dans la tête. Venant de maris et des femmes spirituelles, les maladies dans la tête pour rendre fou. Par le sang de Jésus, je tue ce crabe. Je tue cette bête qui croque dans ton cerveau. Je la tue au nom de Jésus. Marie spirituelle, femme esprit, portez vos bagages, allez-vous-en. Les cales et les résistances sont brisées. Je dis les cales et les résistances sont brisées. Les coques sont annulées. Ça fond par le feu. Alliance de longue durée. Le sang de Jésus est contre toi. Marie spirituelle et femme spirituelle de longue durée. Le sang de Jésus est contre toi. Tu n'es pas plus loin, vieux que l'ancien des âges, que le créateur des créateurs, Jésus-Christ de Nazareth. Porte tes bagages et libère cette famille, libère cet homme, libère cette femme, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Tu dis que tu es venu par le sang de la virginité, tu es venu par le sang des alliances, par le sang de la famille, par le sang des boucs, par le sang de Jésus, tu es brisé, par le sang de Jésus, tu es brisé. Par le sang de Jésus, tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme n'est pas toi, Marie spirituelle. Cette femme-là n'est pas toi. Porte tes bagages et sors au nom de Jésus. Toi qui dis qu'elle est moi-même. Toi qui dis qu'il est toi-même. Marie esprit, ma reine satanique, parrain démoniaque. Par le sang de Jésus, il n'est pas toi. Par le sang de Jésus, elle n'est pas toi. Allez, sors au nom de Jésus.
toi qui dis que tu leur as donné la vie, toi qui dis que c'est toi qui les as amenés dans ce monde, que leur père n'avait pas d'enfant, leur mère n'accouchait pas, et que c'est toi qu'on est venu voir, et maintenant tu es le protecteur. Par le sang de Jésus, je vous sépare. Par le sang de Jésus, vous êtes séparés. Par le sang de Jésus, vous êtes séparés. Allez, c'est pas fort. Ce totem-là s'en va. Cette bête de l'enfer, je ne connais pas le totem de ta famille, mais Jésus les connaît. Jésus s'en vont. Les nains sortent. Par le sang de Jésus, allez-vous-en. Qui t'a fait un arbre? Sors. Par le sang de Jésus, c'est déraciné. C'est déraciné. C'est déraciné. Par le sang de Jésus, ça se passe. Alléluia. Les conséquences des mariages spirituels. Les conséquences des maris esprits et des femmes esprits. Les conséquences de ces enfants mystiques. Alléluia. Les bastonnades. Tu es là. La bastonnade. Tu te réveilles. Le corps est griffé. Comme si on t'a fouetté. Quelqu'un me suit. On a fouetté. Qui t'a fouetté? Le mari spirituel. Ça peut être le mari spirituel de ton conjoint, comme ça peut être ton propre mari spirituel. Tu es là. Celui qui est venu de ta famille. Qui est venu de ton côté. Que tu fais quoi ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Il te tabasse copieusement parce qu'il est jaloux. Mais ce soir, le fouet qu'il a souvent utilisé pour te fouetter, les anges le fouettent. Dis avec moi, le fouet que tu as longtemps utilisé pour me fouetter. Mari spirituel, femme spirituelle, je te fouette, je te fouette, je te fouette. Allez, fouette. Le fouet que tu as longtemps utilisé pour fouetter mon mari, fouetter mes enfants, fouetter mes relations, fouetter les bienfaiteurs, fouetter les prétendants, je te fouette, je te fouette, je prends le fouet, je te fouette, je te fouette, je te fouette, avec le feu du Saint-Esprit. Avec le sang de Jésus, libérez ma vie, libérez ma maison, libérez mon mari, libérez les affaires, libérez, sautez, 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 sautez au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. La colère de ce conjoint envers toi, tu ne reconnais plus ton mari. Le rejet, le mépris, comme une force. Qui l'amène à t'insulter, une force qui l'amène à te mépriser, une force qui l'amène à aller dehors. Amen. Donc les maris spirituels, les femmes spirituelles vont jusqu'à tuer le conjoint, ou bien à tuer ton conjoint, ou bien à te tuer toi-même. Ils peuvent te tuer toi-même, ils tuent. Nous tous on rate. Ils tuent les enfants. Parce que toi tu viens d'être occupé des enfants ici-là, alors qu'on a nos enfants là-bas. Je dis les enfants mystiques spirituels à brûler au nom de Jésus. Dis avec moi, tout enfant mystique spirituel, brûlé, brûlé, brûlé. Je vous tue, je vous tue. Ces enfants mystiques qui occupent mon lit, qui attaquent mes enfants physiques, mourez, 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 mourez. Tout héritage démoniaque avec les maris et les femmes spirituelles, héritage dans l'air, dans l'eau, en sorcellerie, brûlé, brûlé, brûlé. Brûler la maison dans laquelle tu disais que je vis avec toi. Brûler, 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 brûler les robes de mariage, les alliances, brûler les photos, les actes, brûler, brûler, brûler toute cette vie, brûler, brûler par le feu. Je renonce à cette vie, je renonce à ces maris et ces femmes esprits, je renonce à cette domination, je renonce à ce pouvoir satanique par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous avais raconté un témoignage pour ceux qui se rappellent un temps. Cette jeune dame, amen, amen, qui connaissait gros de problèmes dans son foyer. Gros. Elle s'était bien mariée avec son mari l'aimait, amen, amen. Un grand monsieur travaillait dans une grande société dans ce pays. Très riche. Du jour au lendemain, il a décidé avec leur quatre enfants, il ne s'occupait plus de personne. Il a commencé à aller dehors, à naguer sa femme. À la naguer. Il vient seulement pour se changer et il repart. S'il a fait qu'il a pitié de voir, il vient. Il fait une semaine dehors, il vient se changer. C'est même pas qu'il manquait d'habit. Et quand il vient comme ça, il dépose 5 000. Les enfants délaissés. La fille délaissée, sa femme. Mais dehors, la femme s'est plaint. Elle est allée dans nos églises conventionnelles où ils allaient avant, rien. Elle est allée voir le bureau, rien. Bien aimé, tu as vu tout le monde, oh. Vois Jésus. Tu as vu tout le monde, lève-toi et abat de l'autorité que tu as reçue du Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça qu'on lui parle d'une convention que nous avions, une requête située du côté d'Ebolova. Elle a pris la route.
Elle n'avait même pas dit au revoir à son mari, que vu que le gars ne prenait pas le téléphone, le gars était dégoûté, il ne voulait même pas la sentir. Quoi que ce soit qui était placé sur ton corps pour créer le rejet entre ton conjoint et toi, ce masque est enlevé. Ce masque est enlevé. Cette défaveur est ôtée par le sang de Jésus. L'amour coule désormais dans votre mariage, désormais dans tes relations au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Arrivé à la retraite, bien aimé, le premier jour où les activités n'avaient même pas encore commencé. Louange, 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 louange. Les choses ont déclenché. Oh, c'est grave. Oh, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Je brûle, oh, je brûle, oh, je brûle. Et à quoi que tu brûles? Tu es qui? Personne ne se gênait même. Je dis, on était au début. Personne ne l'a regardé. Personne ne venait même demander qui a quoi. Je brûle, je brûle. Je suis sa mère, sa grand-mère. Je suis sa grand-mère. Je suis sa grand-mère. L'esprit de sa grand-mère. Je suis l'esprit de sa grand-mère. J'avais dit qu'elle ne doit pas aller en mariage. Elle m'appartient. Elle doit s'occuper de moi. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai mis l'esprit de chien sur son mari. C'est pour cela que son mari est dehors comme un chien. Quoi? Est-ce qu'une femme me suit ce soir? Est-ce qu'un homme est à l'écoute ce soir? Un caractère, un comportement que tu vois ton mari afficher, ta femme afficher, tu crois qu'elle est elle-même alors qu'elle est sous menace, sous oppression. Quelqu'un ne buvait pas ou bien il buvait une bière. Dès qu'il s'est marié avec toi, il commence à boire les fûts. Il boit les fûts. Une force l'amène à boire et à quitter la maison. Est-ce que quelqu'un est là? Une force, quelqu'un se retrouve avec un double caractère. Au point où tu ne comprends pas, une double personnalité. Cette nuit, par le sang de Jésus, quoi que ce soit, qui était réincarné en ton conjoint, qui était réincarné en tes enfants, qui avait mis sur eux un esprit de chien de dégoût, un esprit d'alcoolisme, de cigarette, un esprit d'autodestruction, ce mari spirituel est lâche. Ce chien projeté sur ton conjoint, sur ton épouse, ça sort au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, ça sort. Dis avec moi, quoi que ce soit, qui était projeté sur mon mari. Le mari dit sur ma femme, qui était projeté sur mon mari, qui était projeté sur mes enfants, pour les jeter hors du mariage, pour les chasser. Cette chose sort et les lâche. Sort et les lâche. Sort et les lâche. Sort et lâche-les. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un là? J'avais dit que tu ne devais jamais te marier. J'avais dit que tu n'as jamais cherché à te marier. Mais c'est toi qui devais me garder. Tu es moi et je suis toi. Est-ce que quelqu'un là? Maintenant, elle allait se marier pour que qui s'occupe de moi. J'ai mis un esprit de chien sur son mari. Et son mari est continuellement dehors. C'est pour cela qu'il est dehors tous les jours. C'est moi, c'est moi. Et la chose bavardait. Je brûle, je brûle, je brûle. Je brûle, oh, je brûle, oh. Est-ce que tu es là? L'homme de Dieu s'est approché, il a dit, maintenant tu sors au nom de Jésus. Et la chose est partie. Bien-aimé, est-ce que tu connais la suite? Je peux te donner la suite demain, non? La suite, c'est quoi? Le même soir, en pleine requête spirituelle, le mari appelle. Allô, allô, tu es où? Dis à ton voisin à côté de toi, même s'il n'y a pas ton voisin, un voisin à côté de toi, que tu es encore célibataire, le voisin derrière là, parle-lui, prononce le nom et dis, l'amour coule. Quand l'amour coule, dis quand l'amour coule. Oh, alléluia. Le gars se tient, tu es où ma chérie? Elle sursaute. Tu es là. Elle commence dans la salle, dans les salles de couchage là-bas. Il m'appelle pourquoi? Il m'appelle pourquoi? Les mamans qui avaient suivi tout ce qu'elle avait, la chose là, disait au clavier de sa bouche, lui demande qui appelle. Elle dit, c'est le type là, non? On dit, quel type ton mari? Oui. Et tu ne veux pas prendre le téléphone? Prends ce téléphone. Les mamans l'ont ramassé. Bien aimé, quand ton mari revient, quand ta femme revient, ce n'est pas la ruse. C'est ses programmes de prière. C'est ce que Dieu fait. Quand cet enfant revient, ne le chasse pas. Comme le fils prodigue a été accueilli par son père. Luc 15, verset 11 à 24. Accueille cet homme. Amen. Parce que la force qui le malmenait est ôtée. Parce que la force qui malmenait cette femme est ôtée. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez voir, quelqu'un demande pardon aujourd'hui. Les deux minutes qui suivent, il refait la même erreur. Tu crois même qu'il fait les erreurs, c'est l'esprit démoniaque. C'est la femme spirituelle, le mari spirituel qui est derrière les esprits d'erreur pour amener le dégoût, pour amener à ce que tu te lasses et que tu dis c'est même quoi ça? Non, non, non. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les esprits, les dominations et les forteresses. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, les mamans ont commencé à la conseiller. Que non, prends le téléphone, réponds. Elles ont commencé à la menacer, lui parler. C'est comme ça qu'elle prend le téléphone. Oui, tu veux quoi? Je suis Ebolova.
Tu rentres quand? Je rentre dans 2 jours parce que je suis venue à une retraite. Ok, il faut faire vite parce que je t'attends. Tu es là. Le lendemain matin, il appelle. Comment tu vas? La femme a assisté à toute la retraite. Le gars ne faisait qu'appeler. Il appelle. Maintenant, tu es où? Je suis déjà à Yaoundé. J'ai pris le car. On a fini la retraite. Oui, ok. Tu prends quelle agence? Prends telle agence. Quand elle arrive, tu es où? Je suis à route à Mboumiébel. On doit arriver bientôt à Douala. Quand elle arrive à Douala, bien-aimée, elle trouve le mari à l'agence. En train de l'attendre. Tu es là. Une voiture garée, elle reconnaît la voiture du mari. Et maintenant, un autre taxi. Et le mari lui dit, madame, hein, prends les clés de ce taxi. Comme depuis, tu ne travaillais pas. Ce taxi, c'est que tu le mets en marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça va souvent te rapporter de l'argent. Elle dit qu'elle pouvait tomber des nues. C'est comme ça qu'il porte encore les pieds. Il dit, maintenant, chauffeur, allez avec le taxi à la maison. Madame, entre dans la voiture. Il part au restaurant. De ces luxueux, elle dit, c'est là qu'elle a commencé à découvrir que son mari avait l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont mangé au restaurant. Elle nous fait le coup de fil étant au restaurant, aux toilettes. Et quand elle nous appelle, on dit, tu viens nous appeler. Tu vas nous appeler, va manger. Va manger, mange et réjouis-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand elle dit qu'elle est arrivée à la maison, le salon était neuf. Donc en 3 jours, où elle était à la prière, et que la chose qui attaquait son mari a été chassée. Et la chose là venait de la maison de son père et sa mère, de sa famille. Elle a un chien qui a placé cette chose en toi et qui attaque ton mari. Qui a placé cette chose et qui attaque le travail de ton mari, qui attaque la santé de ton mari, qui attaque la santé de ta femme, qui attaque le travail de ta femme, par le sang de Jésus, quoi que ce soit qui oppressait ton conjoint, par le sang de ce mari spirituel, cette femme spirituelle, sorte au nom de Jésus-Christ. Cette force les lâche et la paix revient. Elle dit, maman, je ne reconnaissais pas ma maison. Le salon était neuf, les chaussures étaient neuves, les enfants avaient les jouets. Ma maison rayonnait. Dis, c'est ainsi que je rayonne. C'est ainsi que mon foyer rayonne. C'est ainsi que mes affaires rayonnent. Au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un se connecte à ce témoignage, la même chose se produit. C'est le même Dieu que nous opérons. Nous servons. Le Dieu qui brise les protocoles. Le Dieu qui détache. Le Dieu qui restaure. Quoi que ce soit qui avait créé le rejet entre ton mari et toi. Au point il ne t'écoute pas, il écoute sa mère. Il ne t'écoute pas, il écoute son père. Il ne s'écoute pas, il écoute ses frères. Tu n'écoutes pas, tu écoutes seulement ta famille. Par le sang de Jésus, cette chose est brisée. Ce mariage spirituel mystique est brisé. Au nom de Jésus, l'envoûtement sur ton conjoint est brisé par le sang de Jésus-Christ. Et ses enfants sont détachés. Ce mariage les délié dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Donc la double nature là, le caractère variant de ce conjoint, le caractère variant de ses enfants, comme une double personnalité. Ça apparaît comme ça et ça revient. Il devient gentil, après il devient genre. Comme deux personnes qui viennent, il devient violent, après il demande pardon. Tu te demandes, mais j'ai épousé finalement qui? Par le sang de Jésus, la double personnalité s'en va. Par le sang de Jésus, celui qui vient jouer les doubles caractères, là, il te lâche. Il lâche ton mari et nous décrétons la paix. Cet homme qui ne s'occupait pas des enfants apparaît. Nous libérons les anges. Paix dans le nom de Jésus en cette soirée. Que les anges récupèrent tout homme qui ne s'occupait pas de ses enfants. Que les anges récupèrent tout le cœur de toute femme qui ne s'occupait pas de son mari, de ses enfants. Le cœur de toute femme qui était devenue violente, tapant sur les enfants. On ne comprend pas la colère de cette femme. Oh, c'est comme si tu n'avais pas le cœur. Dit la puissance qui t'amène à t'auto-détruire. Elle te quitte au nom de Jésus. Elle te quitte au nom de Jésus. Elle te quitte au nom de Jésus. Les anges parcourent les maisons, quelle que soit la nation où cet homme était lié. Il est délié. Il est délié. Il est délié. Il est délié. Il revient. Quel que soit l'endroit où cet enfant était perdu, il est délié, il est délié, il est délié. Et ceux qui occupaient sa place dans la maison, ils sont enlevés. Et au nom de Jésus-Christ, il prend sa place. Seigneur, merci de le faire. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5, que nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Seigneur, tu as dit dans Exode 7, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon
Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et dans le psaume 82, verset 6, tu as dit que nous sommes des dieux. Nous sommes tous les fils du Dieu créé. Je suis un fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Face à cette oppression, j'ai reçu autorité. Face à ces attaques, j'ai reçu autorité de chasser les démons. Quoi que ce soit qui oppressait ma vie conjugale, maritale, qui oppressait mon travail, ma santé, mari spirituel, femme spirituelle, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse, allez, chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse de mes relations. Je te chasse de mes affaires. Je te chasse de mes diplômes, de mon travail. Je te chasse de ma santé. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, toi derrière les problèmes, toi derrière les accidents, les querelles, la mort, les divisions, je te reprime au nom de Jésus. Va-t'en. Dis avec moi, tout pouvoir des maris, des femmes spirituelles qui travaillent pour décrire la manifestation de Dieu dans ma vie, meurs, meurs, meurs. Que le pouvoir des maris spirituels, des femmes spirituelles qui travaillent pour décrire la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Servitude ancestrale affectant ma vie, meurs. Servitude ancestrale affectant négativement ma vie, meurs au nom de Jésus. Le doigt est sur le nombril, prie. Toute servitude ancestrale affectant négativement ma vie, meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Père, en cette nuit, que toute servitude au nom de Jésus-Christ ancestral qui affecte la vie de mon frère, de ma soeur, meurt. Que les chaînes soient brisées, que les jougs soient brisés, que les captifs soient libérés, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, en cette nuit, mari spirituel, femme spirituelle, destructeur de mes bénédictions, troubleur de ma paix, mourrez au nom de Jésus. Mari spirituel, femme spirituelle, enfant mystique, destructeur de mes bénédictions, mourez au nom de Jésus-Christ. Mourez, vous qui décrisez mes bénédictions, vous qui attaquez tout ce que je fais, mourez par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Toute oppression venant des maris spirituels, venant des femmes spirituelles, soyez dispersé. Oppression venant des maris spirituels, venant des femmes spirituelles, des enfants mystiques sataniques, soyez dispersés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions cette nuit que tout esprit de désordre sexuel, tout esprit au nom de Jésus-Christ de trouble qui a été libéré sur ton conjoint, sur tes enfants, par les maris, femmes, esprits, que cette force les quitte au nom de Jésus, que cette puissance de désordre sexuel les lâche au nom de Jésus, que cet esprit d'impudicité les lâche au nom de Jésus. Satan, tu lâches cette famille, tu lâches cet homme, tu lâches cette femme par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ces forces qui t'amènent à manger en désordre, par le sang de Jésus, ces forces-là te quittent. Ce diable-là te lâche. Par le nom de Jésus. Je dis, mari spirituel, femme spirituelle, enfant mystique, oppressant la vie de mon frère, de ma soeur, mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Toi qui oppresses les relations, toi qui oppresses les conjoints, toi qui oppresses la santé, toi qui oppresses le travail, toi qui attaques tout et décris tout, toi qui dis que tu as tout, tu vas tout décrire. Je dis, tu libères les maisons, les véhicules, tu libères tout ce que tu attaques, tout ce que tu rends tout vieux. Je viens contre toi en cette soirée, par le sang de Jésus, oppression des femmes et des maris spirituels, des enfants mystiques, ces démons, par le sang de Jésus, mourez, libérez la vie, libérez la maison, au nom de Jésus. Je prie en cette nuit, que le vent maléfique qui emportait tes bénédictions, que ce vent la meure, que le vent satanique qui était soufflé dans ta maison, et qui dispersait tout, qui emportait tes bénédictions, qui emportait tout, par le sang de Jésus,
Jésus, que ce vent meure, que ce vent meure, que ce vent meure, que les chaînes maléfiques qui ont été placées sur toi par les maris spirituels, par les femmes spirituelles, par les enfants mystiques, que ces chaînes-là, au nom de Jésus, qui limitent ton progrès, soient brisées, soient brisées, soient brisées, Père, en cette nuit, dans les maisons, dans les vies, au nom de Jésus, que les chaînes placées par les maris spirituels, les femmes spirituelles, les enfants mystiques, soient brisées, soient brisées, soient brisées, les chaînes qui limitent le progrès, les chaînes qui attaquent tout, les chaînes derrière la rétrograde, la stagnation, le tourner en rond, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées. Quiconque était oppressé dans la pensée, par des forces, par le sang de Jésus, ces choses te lâchent, ces choses te lâchent, ces choses te lâchent, au nom de Jésus. La malédiction placée par les maris spirituels, les femmes spirituelles ou des lois ancestrales, que lorsque tu nous quitteras, ce qui s'y t'arrivera, ou même toi-même, tu étais ancré consciemment dans ces choses. Par le sang de Jésus, cette malédiction est brisée. Quelqu'un est délié cette nuit. Quelqu'un est détaché cette nuit. Par le sang de Jésus, de l'incontinence, tu es délié. De l'incontinence, tu es détaché. Au nom de Jésus-Christ, ces choses qui t'amènent à te faire la honte, par le sang de Jésus, sont expulsées de ta vie. Sont expulsées de ta vie. Tout désordre qu'ils ont mis dans ton corps pour dire que nous tous, on va perdre. Par le sang de Jésus, nous commandons. L'ordre divin. Nous commandons l'ordre divin. Que les organes qui manquaient soient restaurés. Par le nom de Jésus-Christ, que les organes défectueux soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, que les esprits d'accident programmés avortent. Au nom puissant de Jésus, quoi que ce soit, que les maris jaloux, les esprits mystiques, les esprits maris spirituels, femmes spirituelles, enfants mystiques avaient planté dans ton corps pour te décrire, cette chose est enlevée. Ces excroissances meurent. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci de glorifier ton nom. Père, merci de manifester ta puissance. Père, merci de visiter en cette nuit ton peuple, de ces repas de nuit, de ces couches de nuit, par le sang de Jésus, de ces séductions, de ces pensées impures. Seigneur, libère quelqu'un. Seigneur, détache une vie. Seigneur, détache une famille. Dans le nom de Jésus, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Merci de manifester ta puissance. De génération en génération, nous te déclarons libre par l'œuvre accomplie, par le Christ Jésus. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Ce qui est sorti pour dire, revenir les portes sont fermées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus qui Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Esprit Saint, tu continues ton œuvre dans les maisons. Tu continues ton œuvre dans le sommeil. Merci de glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pose ta main sur ta tête et l'autre est sur le nombril. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous décrétons la paix de la tête à la plante des pieds. De la tête à la plante des pieds, la paix du Christ, le feu du Saint-Esprit, il te remplit, il te remplit. La présence de Dieu te remplit. Où tu ne voyais pas, tu vois. Où tu n'entendais pas de Dieu, tu entends. Par le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi avait tué dans ta vie, attaquant ton appel, attaquant ta vision, attaquant ton entendement, liant ta langue, par le nom de Jésus, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Et les restaurations s'opèrent. Merci Seigneur de le faire. Merci de combler ton peuple. Merci. Reçois toute la gloire, Seigneur, afin que ce peuple te serve libre, afin que ce peuple te serve avec joie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne couvres pas le sommeil, continue de prier. On est à minuit. 10 minutes. Alléluia. Tôt le matin, avant de sortir, couvre un temps de méditation. Prie. Au bureau, trouve le temps. Lis la parole. Prie. Alléluia, nourris-toi de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Trouve le temps pour réécouter les enseignements, pour prier encore. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu t'inonde. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous nous retrouvons demain à 23h00 heure du Cameroun. Amen.